France vient montrer le résultat de toute cette énergie des jeunes musiciens rendue possible par ces échanges. La Parthénope, à mon avis, devra avoir une très grande carrière parce que ce très grand pays possède enfin un véritable orchestre baroque jouant dans le style et avec un souci de respect du style de l'époque. C'est complètement nouveau et je crois que c'est un orchestre qui est destiné à jouer un grand rôle à l'avenir dans la vie culturelle du Mexique. Sous forme de stage de musique de chambre baroque à l'École nationale de musique. Et on a vu qu'il y avait vraiment beaucoup de jeunes très intéressés, passionnés par cette musique, assoiffés, on peut dire, parce qu'au Mexique, on n'a pas vraiment une classe de violon baroque, une classe de... Il y a une classe de flûte à bec, une classe de clavecin, mais les cordes, pas de violoncelle baroque, et on a vu qu'il y a vraiment... Il manquait ça et qu'on avait un terrain très fertile pour faire des choses. La Parthénope, c'est le... On sait qu'il y a Manuel de Sumaya, un de nos grands compositeurs baroques mexicains, qui a écrit un opéra, La Parthénope. Elle est perdue, l'opéra.